Bonjour, cher ami. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Bah, manquez plus que ça. Permettez? Je trouve que vous êtes particulièrement en beauté aujourd'hui. Je ne sais pas, quelque chose de changé dans votre aura, peut-être? Vous rayonnez. Ah bah, vous avez un de ces sens de la propos. Oh, c'est une magnifique journée, vous ne trouvez pas? Que diriez-vous d'une jolie balade dans Paris? Rien que vous et moi. Un petit tour de bateau-mouche, peut-être? Allez, Carla, on se fait un petit caprice? Ne me touchez pas! Mouffant. Vous êtes gonflant, Hippolyte. Votre pose fromagère, vous pouvez vous la carrer où je pense. Un petit broche, alors? Je crois que je ne me suis pas montrée assez directe. Vous perdez votre temps. Je ne suis pas intéressée. Je ne le serai jamais. En clair, Cindy se mettra à chier des pissenlits avant que vous ayez la moindre petite chance d'approcher votre ridicule petite baguette de ma sombre forêt des mystères. Bonne journée. J'aurais dû prendre des pivoines. Bon alors, ça n'a pas marché? Oh bah non, pas vraiment. J'ai pourtant fait tout comme vous aviez dit. J'ai bien peur qu'elle ne m'apprécie guère. Tu rigoles? Je suis sûre qu'elle te kiffe. T'as vu comment elle t'a regardé? Vous parlez de cette lueur meurtrière qui illumine son regard à chaque fois qu'elle pose les yeux sur moi? Ouais, bien sûr. C'est sa manière à elle d'exprimer ses sentiments. C'est pour le moins ambigu. Elle n'a pas l'habitude de ressentir ce genre de choses. Elle assume pas. Mais ça viendra. Surtout si tu insistes bien. Oh, vous m'avez convaincu. Qui pourrait résister à ce charme? Allez, file la retrouver. Elle attend que ça. C'est pas très sympa ce que tu fais là. Certes. Qu'est-ce que c'est drôle. On a une nouvelle mission? Nouvelle ouverture de faille. On sert de backup à Tony Stark cette fois. Je sens que ça va être une belle journée. Armand, Cindy, vos relevés sont inquiétants. Est-ce que tout se passe bien pour vous? Ah bah c'est pas la joie ici, Kevin. Quel est le problème? Oh bah le nombre. J'ai bientôt plus de balles, tonton. Bon, rassurez-vous, je vous ai envoyé du renfort. Hippolyte devra arriver sur vos positions dans... Ah bah tout de suite, en fait. Super, tu veux pas nous envoyer une ourson de la place? Parce que le fake en combat, il vaut pas une caouette. Alors les enfants, elles vous causent du tort, les méchantes fifilles. Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Ça te plaît? On dirait un cosplay raté de Catwoman. Jalouse. C'est sûr que ça doit vous changer de la magie chamboursée. C'est nouveau ça? Faites gaffe, on l'a jamais affronté celui-là. Je me sens toute chose. C'est comme s'il suçait notre bonne humeur. Ça tombe bien, j'en ai pas. Mais cette musique est atroce. J'ai l'impression de me faire violer le cerveau. La souffrance par la mauvaise musique. Erreur fatale. J'ai déjà combattu un individu capable de vous vriller les tympans avec les plus mauvais airs de la planète. Et je sais exactement comment châtier ce genre de vermine. Doom. Cosmique.
vous. Mais je sens que ça va être une bonne journée. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui. Je sais, j'assure. Ah, ça, au corps à corps, j'avoue, t'envoies du bois. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais j'aime bien notre duo. Ah ouais? Ouais, le côté tu défonces tout à coups de blaster et je les termine à coups de hache, ça fonctionne super bien, je trouve. Et ça se passe pas comme ça avec ton Caleb? Non, pas vraiment, non. On est plutôt dans une relation N-N réciproque. Ah. C'est un mou, il faut rien de la journée. Et quand il bouge son gros cul, c'est systématiquement pour provoquer des catastrophes. Non, si je devais faire une comparaison, toi tu serais Freddie Mercury et lui, Veronica Black. Oh bordel. Tu l'as dit. Non, enfin, moi de mon côté, ça se passe très bien avec ma Cindy. Vous travaillez ensemble? Ben, pour tout dire, c'est moi qui l'ai formée. Ah ouais? Comment elle est par rapport à moi? Ben, oh putain, comment dire? En un mot, elle est plus girly. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, elle est plus girly? Ah mais non, elle prend pas mal, c'est pas ce que je veux dire, là. Non, mais moi aussi, je peux être girly, si je veux. Bon, est-ce que tu as déjà joué avec des petits poneys? Non. Déjà piqué la garde-robe de ta mère? Seulement son armurerie. Et est-ce que tu te sens toute chose lorsque je prononce le nom? J'arrête les taux. C'est quoi, une marque d'électroménager? Bah tu vois, t'es pas très girly. Putain, je me sens vexée, là. Ah non, c'est pas le but, j'aime bien le côté troll aussi. Ouais, mais ça fait pas très glamour. Ça, on va dire que le glamour, c'est pas vraiment ta marque de fabrique, et puis c'est tout. Et les tresses? Y a pas plus girly que les tresses. Ok, bon, ça fait très Family Girls, mais je t'accorde un point pour les tresses. Juste, comment on en est venu à cette discussion bizarre déjà? Aucune idée. Personne au monde ne connaît ma peine. Personne au monde ne m'aime. Bah vous voilà, alors ça s'est bien passé. Comme papa dans maman. Hey frangin, un petit mot privé. Alors, bosser avec ce type, ça va pas être possible. C'est un grand malade, un dangereux psychopathe. Vous faites flipper tous les deux, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ça, tu veux pas le savoir. J'ai vu des choses qui resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Je suis pas du genre prude, mais même moi ça m'a fait limite gerber. Tu fais ce que tu veux papa, mais je veux plus avoir affaire à ce pervers. Bon. Je comprends que ça puisse vous poser des problèmes, hein, vraiment. Mais mes ordres sont clairs. Vous coopérez avec lui. Sérieux, Georges, je sais pas ce que t'as derrière la tête. C'est bien pour ça que c'est moi le patron, Armin. Et ça vaut le coup de sacrifier mon innocence? Ma chérie, ça vaudrait même beaucoup plus cher que ta virginité. Alors là, bravo, hein. Père de l'année. Hein. Et j'en suis pas peu fier. Oh bon sang. Quoi encore? On a deux, trois choses à se dire, vous ne croyez pas? Oh, pas si je peux l'éviter. Vous n'avez pas été très honnête avec moi et... Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue? La parure de combat? Ça vous pose un problème? Ah bah, c'est que c'est très osé, mais... Ah mais c'est que vous avez des accessoires en plus. C'est sympathique. Ok. Est-ce qu'il faut en passer par là? Mes mères veulent se payer une bonne tranche d'Hippolyte. Eh ben, elle va goûter à Sadoman, hein. On va faire crier la bourgeoise. En effet, elle a bien crié. Oh, regarde, on n'a pas essayé celui-là.